Conférences, ateliers, débats, une journée des carrières et des formations est organisée demain au Parc Expo de Mulhouse. Une jeune Mulhousienne mène une double vie, rencontre avec cette volleyeuse étudiante. À 18 ans, Laura Dreyer fait partie de l'avenir du groupe professionnel de la SPTT Mulhouse. En dehors des entraînements, elle est sur les bancs de l'école. Elle prépare une licence administration économique et sociale. Par jour, normalement, on a deux entraînements, le matin jusqu'à 10h. Après, je vais en cours jusqu'à environ 16h où je retourne à la salle de sport et je m'entraîne jusqu'à 18h. Après, quand je rentre, j'essaye un peu de travailler mes cours, manger et dormir. C'est sûr que c'est légèrement compliqué, mais c'est la vie qu'on a choisie. Du coup, on le fait avec motivation, quoi. Laura Dreyer et ses coéquipières seront présentes demain lors de la journée des carrières au Parc des Expositions de Mulhouse pour parler de leur parcours. Portée par Mulhouse-Alsace Agglomération, cette journée s'adresse aux adultes et aux jeunes en quête d'orientation ou de reconversion professionnelle. Les jeunes volleyeuses seront sur le stand des métiers au féminin, une nouveauté pour cette année. Il faut savoir que il y a des inégalités encore sur notre territoire au niveau justement de l'insertion homme-femme dans le domaine professionnel. Il faut savoir que 80% des filles sont orientées vers les filières littéraires et seulement 47% vers les filières techniques. Au-delà de tout ça, il faut savoir qu'en France, encore aujourd'hui en 2018, plus de 50% des femmes n'accèdent pas aux postes de cadre et de haute fonction. Autre nouveauté, un espace dédié à l'industrie du futur. Au total, plus de 350 professionnels et 150 écoles seront présents demain de 9h à 17h.